Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est le genre d'émission dont on est sûr de sortir dans 52 minutes en se disant « mince, c'est allé trop vite ». Ça tient à deux choses. D'abord, les thèmes à aborder. Comment juste survoler Samir Amine, Cheikh Anta Diop dans leurs pensées, bien sûr. Surtout que l'on sort tout juste du premier symposium hommage à Samir Amine disparu le 12 août 2018. Cette émission sans détour prolonge le débat prospectif. La prospective, si chère à Samir Amine, économiste, mais surtout chante de la décolonisation et de l'altermondialisme. Tout Samir qu'il est, nous soumettrons sa pensée à débat ici. Afrocentriste pour certains, ou plutôt penseur d'une Afrique ouverte sur le système d'un capitalisme mondialisé. Nous tenterons en tout cas d'y répondre. Et la deuxième difficulté de tenir le chrono dans cette émission tient au profil de nos invités. Je m'honore vraiment d'être ici, messieurs, juste un passeur de parole. Docteur Chérif Salif Sy, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, directeur du Forum du Tiers-Monde, secrétaire général d'associations d'économistes, des chercheurs du Sénégalais, secrétaire général de l'Association sénégalaise des économistes, membre du CODESRIA, si cher à Samir Amine, vous l'avez connu. L'IDEP aussi. Si je veux vous taquiner, je dirais que vous êtes ce qu'on appelle un insider et ce n'est pas un bien grand mot. Je m'honore aussi d'être avec vous, Demba Moussa Dembélé. Bonjour, merci d'être avec nous. Économiste, chercheur, directeur du Forum africain des alternatives, coordonnateur de ArtCAD, altermondialiste à souhait. J'aimerais quand même qu'on s'arrête sur une personnalité qui nous accompagne aussi. Bernard Founou, merci vraiment d'être avec nous. Bienvenue. Bernard, je vous salue. Bernard, il ne suffirait pas simplement à vous présenter en remontant à vos origines camerounaises. Vous réfléchissez à l'Afrique, aux économies africaines. Samir Amine, vous l'avez connu il y a très très longtemps. Vous avez aussi le privilège, avec certains de nos invités, d'avoir été préfacé par Samir Amine dans cet ouvrage fondateur qui parlait des fondements de l'agriculture, de l'économie africaine. Vous nous en direz un peu plus. Chérif Salif Sy, quand on a dit tout ça et qu'on sort d'un symposium où on a revisité la pensée de Samir Amine, qui est dans la prospective depuis si longtemps, il ne suffirait pas ici de citer les différents ouvrages, les recherches, la prospective. Finalement, qu'est-ce qu'on a raté puisque pour que cette prospective-là ne nous permette pas, à ce jour de février 2020, d'être déjà sorti de l'ornière pour l'Afrique? Je crois que d'abord, une grande satisfaction d'être sorti du symposium avec un tel succès, mais surtout d'avoir atteint l'objectif fondamental que nous nous étions fixé, c'est-à-dire de ne pas tomber dans le piège des sempiternelles célébrations par lesquelles on mettait l'accent sur l'exposition des écrits. Mais fondamentalement, l'idée était de voir dans quelle mesure nos invités avait compris Samir et avait compris surtout ce qu'il a toujours dit, je ne suis pas un marxiste, je suis un marxien. Je ne suis pas tout ce que vous voulez, je suis un critique de l'économie politique bourgeoise. Et c'est ça, c'est clair au cours du symposium que les gens avaient bien perçu et ont compris cette démarche de Samir Amine. Parce que l'objectif, c'est comme pour ce qui concerne Cheikh Anta Diop, c'est de les prolonger. Et pour prolonger la pensée de quelqu'un, ses acquis, il faut passer d'abord par une critique fondamentale. Et je crois que le résultat que nous avons eu est au-delà de ce que nous espérions, par la profondeur déjà des sujets proposés qui nous ont permis vraiment d'animer ce symposium et de la perception maintenant que nous avons sur la compréhension des dispositions intrinsèques ou en tout cas que les gens ont construites en eux-mêmes pour la formulation d'alternatives, mais d'alternatives crédibles, d'alternatives pas seulement abstraites, mais d'alternatives que concrètement, il est possible de réaliser par-ci, par-là. Bernard Founou, vous n'avez pas eu l'impression de temps en temps d'être dans une sorte de pensée dogmatique où c'est la seule pensée de Samir Amine qui va et pourtant qui n'a pas permis aujourd'hui à l'Afrique de sortir du marasme. Vous n'avez pas eu l'impression parfois d'être dans l'entre-soi d'une pensée que vous tous, vous défendez? Je vais répondre à votre question, mais je voudrais vraiment en quelques secondes donner mon impression sur le symposium qui vient de se tenir. Et
ce symposium, il a été particulièrement intéressant, non seulement parce qu'il a fait un peu la synthèse entre la célébration de Samir, une éminente personnalité, mais aussi qui était une personnalité très abordable à tous les niveaux de base. Donc tout cela, c'est vraiment, on l'a vu au niveau du séminaire, la question du mixte des générations qui y était effectivement. Hein. Et chacun y est allé avec la perception, peut-être l'impression la plus importante que Samir a laissée en tant que personne humaine, en tant que vivant avec les autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait important. Alors, le problème concernant Samir lui-même et son œuvre, je crois qu'il faut voir Samir comme quelqu'un qui se raconte d'abord un peu lui-même, n'est-ce pas, dans son milieu familial, et ce qu'il a observé tout étant gosse, vivant avec ses deux parents qui étaient des médecins, et comment il a vécu un certain temps sans rencontrer réellement la pauvreté, et comment le jour où il est au Caire, n'est-ce pas, il s'est retrouvé en face de cette pauvreté et qu'il a posé des questions à sa mère, qu'est-ce que c'est ça, oui, pourquoi ceux-là sont comme ça, et donc je pense que il y avait déjà en lui, n'est-ce pas, vraiment comme quelqu'un qui est né avec peut-être des pigments ou de générosité. Et à partir de là, je crois, lorsque il s'est formé, il avait déjà en tête que le système dans lequel on vit, c'est un système dans lequel il y a trop d'injustice. D'un côté, des gens riches et considérés, de l'autre, les peuples qui sont soit exploités, soit dominés. Et donc, c'est cela qui a. Je crois que ça l'a marqué beaucoup. Et c'est ce qui ressort de ce qu'il a écrit sur lui-même. Parce que Samir, il a écrit beaucoup, y compris sur en mélangeant un peu les mémoires et puis autre chose. C'est ça qui. Et donc, je ne veux pas monopoliser la parole dans cette même partie. Je pense que c'est dans le deuxième round, vraiment, que je vous dirai ce que moi je pense de Samir comme du point de vue de son travail, de son importance intellectuelle, de ce que je pense qu'il a apporté de nouveau par rapport à ce qu'il a trouvé. Demba Moussa Dembélé, même dans l'interprétation de sa pensée, on n'a peut-être pas tout soldé. Est-ce qu'il était refermé sur l'Afrique, dans une perspective de développement de l'Afrique, refermé sur elle-même, ou alors l'inscrire dans un cadre d'un capitalisme mondialisé ou une Afrique ouverte? Vous êtes vous-même altermondialiste. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci Abdoulaye. Vous savez, Samir Amin était un intellectuel du Sud. Il a pensé les défis du développement du Sud dans le système mondial. C'était quelqu'un qui voyait le monde en tant qu'entité globale. Il ne s'était pas enfermé dans le continent africain, ni même dans le Sud global, ce que nous appelons le Sud global, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine et les Caraïbes. Il a considéré le système capitaliste parce que c'était un marxiste. Je crois qu'il faut le dire, et un marxiste original qui n'était pas dogmatique, qui ne recopiait pas tout ce que disaient Karl Marx et les autres, mais qui avait bien appris. Il n'a pas tout à fait assumé d'être marxiste, hein? Si, il l'a assumé toute sa vie. Il l'a assumé toute sa vie. Et c'est ça qui explique sa trajectoire intellectuelle et politique. Il y a la découverte, comme il l'a dit, de la pauvreté chez lui. Ça l'a indigné. Et ça fait partie, bien sûr, des éléments qui expliquent sa trajectoire. Mais sa rencontre du marxisme très tôt, au lycée. Et quand il a rencontré Marx, il n'a jamais regardé en arrière après. Au contraire. Mais donc, il a pensé les défis du développement du Sud, de l'Afrique et des autres, bien sûr,
dans le système capitaliste mondial. Et c'est ça qui explique donc tous les écrits majeurs de Samiramin et qui explique donc ce qu'il appelle la déconnexion. Parce que pour lui, quand on prend le système en tant que tel, il y a cette théorie à laquelle, à laquelle il a donné une certaine forme de célébrité et que tout le monde reprend aujourd'hui, entre le découpage entre le centre et la périphérie. Et pour lui, le capitalisme est un système unique. Il n'y a pas de capitalisme pour l'Afrique, capitalisme pour l'Europe, non. C'est le même système. Et le centre, les pays développés, bien sûr, sont à l'avant-garde de ce système. Et les autres pays, l'Afrique et les autres, sont obligés de s'ajuster pour l'accumulation au centre. Et donc, il dit que dans ce système, les pays africains, les autres pays du Sud n'ont aucune chance de se développer s'ils continuent à accepter les règles qui sont fixées par le centre. Et d'où la nécessité de la déconnexion. Déconnexion qui ne veut pas dire autarcie, mais la nécessité pour ces pays de contrôler un certain nombre de politiques, notamment de politiques de commerce extérieur et les mouvements de capitaux. Parce que ce sont les deux liens avec le reste du monde. Et on le voit aujourd'hui pour ce qui concerne l'Afrique. Quand on voit le rapport de Thabo Mbeki qui parle de près de 50 milliards qui quittent l'Afrique chaque année. Et encore, ça c'est des chiffres qui ne reflètent pas la réalité. Et on le voit, les règles du commerce international qui aujourd'hui plombent pratiquement toutes les perspectives de développement des pays du Sud et de l'Afrique en particulier. Et on voit bien que Samiramin avait bien raison de parler de la nécessité de déconnexion pour pouvoir donner à ces pays la possibilité de se développer. Déconnexion, pas autarcie, c'est peut-être facile à expliquer, à théoriser, mais comment on fait dans la pratique pour faire la déconnexion sans se couper aussi du reste du monde? Il y a déjà une déconnexion lorsque Samir dit que je ne suis pas marxiste, à la limite je pourrais être marxien. Et je ne suis pas non plus historien du marxisme. Et je ne suis pas eurocentriste. C'est ça déjà une déconnexion avec une certaine conception en Europe qui pensait que tout est né là-bas, qu'il fallait de là-bas le répandre sur le reste du monde. Demba l'a bien expliqué. C'est une rupture fondamentale en termes de déconnexion. Et si vous partez de cela, la déconnexion, c'est-à-dire sortir de certaines logiques qui nous dépossèdent de nos capacités autonomes. Parmi ces capacités autonomes, il y a celle de réfléchir et de concevoir ses propres programmes et projets, et surtout, en le faisant, ne pas chercher à rompre avec le reste du monde. Samir est clair. Et c'est pour ça qu'en créant le FTM, le Forum du Tiers-Monde, et on a pensé dès le départ à inclure tout le Sud comme Demba. Pour nous, le Sud a une signification particulière. Ce sont nos équipes en Amérique latine, les peuples d'Asie, etc. Mais fondamentalement, et mettre le siège à Dakar d'une organisation internationale de ce type, c'est très significatif. On fait depuis l'Afrique, mais en le faisant, en ne rompant pas définitivement les amarres. Et c'est ça, c'est la question de l'autonomie et de la souveraineté. Si vous n'avez pas de souveraineté, c'est-à-dire décider par vous-même où vous voulez aller et comment y aller, c'est ça le principe de la déconnexion. Ce n'est pas comme les gens laissent de côté tout ce qui est dit dans l'ouvrage ou dans l'explication et disent ça, c'est l'autarcie qu'il veut. Ce n'est pas ça du tout. Samir est dans le monde, il reste dans le monde. L'autre preuve, c'est qu'au sortir en faisant sa thèse, Samiramin s'est rendu compte de choses extraordinaires. D'abord, il avait en tête les étapes de la croissance de Rostov. Et c'est ça les stratégies en cours encore aujourd'hui, qui considèrent que le développement, c'est une graine qui a poussé dans les pays du Nord. Il suffit de prendre et de semer dans les pays du Sud pour qu'il y ait développement. Samir donc fait ses études. Il fait sa thèse. La thèse, dans son entourage, ce qui en ressortait, c'était que c'est ici le foyer du capitalisme. Le capitalisme, c'est plusieurs étapes. Et l'étape ultime, c'est l'impérialisme.
Donc, il a quitté l'Europe, le ministère de la coopération, pour être précis, pour venir étudier systématiquement, vérifier plutôt, ce n'est pas étudier ce qu'il avait perçu. Et à la fin d'une étude sur le Ghana, sur la Côte d'Ivoire, sur le Sénégal, il s'est dit, tiens, j'avais raison, le capitalisme, il est impérialiste dès sa naissance. Cela veut dire que sa volonté de couvrir le monde est apparue dès sa naissance. Je crois que c'est ça. Et si vous ne liez pas tout ça, vous ne comprendrez pas ce que veut dire la déconnexion. Jusqu'à quel moment les choses sont faites par nous-mêmes? Parce qu'au-delà de la réflexion, il y a le financement du développement. Comment on fait? Ah, il y a un grand problème, une grande faiblesse, à mon avis. Je m'en rends compte déjà dans notre pays, malgré tous les efforts qui sont faits. Le financement du développement, ce n'est pas un concept qu'on jette comme ça. Le financement du développement commence fondamentalement sur la mobilisation des ressources internes. On ne va pas financer le développement en commençant par chercher l'argent chez les autres, non. Je crois que ça, c'est une faiblesse qu'il nous faut corriger. Et à ce moment-là, si un bon travail est fait sur la mobilisation des ressources internes, et il y en a, vous le savez, quand des gens vont 10 fois à la Mecque, les autres se pavanent toujours, les belles voitures, les maisons, les chefs d'entreprise qui ont des yachts, des bungalows, tout autour de la région de Dakar, de Thiès et ailleurs, mais il suffit de les interpeller. Et ils sont pour. Il le montre à chaque fois, dans les grandes cérémonies, etc. Donc, commencer par la collecte des ressources internes, c'est déjà un problème de crédibilité. C'est-à-dire qu'avant d'interpeller les autres, vous avez sur la table votre contribution propre. Et je crois qu'il faut, dans une certaine mesure, changer un peu de démarche. Mais j'assume qu'effectivement, aucun pays ne détient dans ses frontières les ressources nécessaires à son développement. Sinon, les États-Unis ne seraient pas le pays le plus endetté. Mais je termine en revenant sur la nécessité de commencer la mobilisation des ressources internes. J'aimerais vous confronter tous les trois à une simple étude, bien sûr coordonnée par Samir, avec Samir Amin, je me permets, parce que la familiarité aussi, par Samir Amin, à l'IDEP, première réflexion sur le Sahel, on est en 1983. Pourtant, les perspectives sont très optimistes. Finalement, qu'est-ce qu'on n'a pas vu venir? On a vu aujourd'hui le joyeux bazar que c'est dans le Sahel, le développement humain presque zéro, le cadre de vie inexistant, sans compter le problème du djihadisme, du terrorisme. Tout ça, Samir y a réfléchi avec les équipes qui ont réfléchi. Une étude encore financée par, je le dis quand même, l'OCDE. Est-ce que c'est à ce niveau-là qu'on rate certaines choses et qu'on ne prend pas tout en compte, Bernard Fournou? Non, pour vous répondre, je reviens un tout petit peu sur le truc de la déconnexion. Parce que la déconnexion, elle est liée avec l'extraversion. Et la déconnexion est apparue relativement tard par rapport à celui des économies extraverties. L'extraversion, cela veut dire que pour l'essentiel, ce qui provoque des changements, en particulier économiques, dans votre société, viennent de l'extérieur. Il n'y a pas de moteur interne, n'est-ce pas, qui vous permette, par exemple, d'avoir une expansion de marché. Donc, vous êtes lié à l'extérieur. Et l'extraversion, c'est possible de prendre quelques mesures de l'extraversion. Vous pouvez regarder, par exemple, la balance commerciale, c'est-à-dire la place que tient le commerce extérieur dans l'économie du pays. Et vous verrez qu'aux États-Unis, c'est à peu près maximum 10%, c'est-à-dire le commerce extérieur des États-Unis représente moins de 10% du produit intérieur américain. Alors que quand vous arrivez en Afrique, vous arrivez facilement à 20%. Donc, avec le don colonial. Et la connexion vient dessus juste pour dire que vous pouvez avoir des relations extérieures. Mais pour que ça soit fructueux, c'est-à-dire pour que ça contribue à votre propre développement, il faut que vous ayez votre projet.
et vous voyez si, sous quelle forme vous pouvez avoir des relations extérieures qui viennent soutenir votre projet. Les relations extérieures qui viennent détruire votre projet, ce n'est pas la déconnexion, c'est que vous restez dans l'extraversion. Donc je crois que c'est à ce niveau-là vraiment que Samir est. Et si vous permettez, je voudrais voir, c'est-à-dire le décalage, hein, c'est-à-dire le problème de Samir. Moi, je suis de ceux qui pensent que Samir, il a adhéré entièrement à la philosophie des Lumières. C'est-à-dire que ce sont les hommes qui font leur histoire. Ce n'est pas un extra-social. Ce sont les sociétés qui se structurent et font quelque chose. Donc, pour lui, tout ce qui est religieux, tout ce qui est ceci, ça, bon, il pense, bon, il ne veut pas entrer dedans. Il considère que si c'est mal géré, c'est même un danger. Et l'autre aspect, c'est que ce qu'il a retenu fondamentalement de Marx, c'est ce qu'il a appelé la démarche dialectique. C'est ça qui et c'est ça, c'est-à-dire c'est la méthode que Marx a utilisée. Il prend ça, il prend absolument les deux, le truc de Marx, et il prend les concepts que Marx a développés concernant l'exploitation des gens les uns par les autres dans la société, hein, le prolétariat, le truc, ceci. Mais là où Samir, vraiment à mon avis, hein, apparaît comme peut-être le principal marxiste, mais pas au sens, il est marxiste au sens où Marx, vers la fin de sa propre vie, Marx voyait comment les gens interprétaient ses idées, et ils ont dit, si c'est ça, je ne suis pas marxiste. Marx a dit, donc Samir aussi, je crois que c'est un peu, parce qu'il dit, moi, je prends, mais ne me demandez pas de toujours justifier, est-ce que c'est j'ai pris ça chez Marx ou si j'ai pris ça ailleurs. Je sais que sur la méthode générale, je suis d'accord avec Marx. Mais il dit, Marx, de son temps, il a fait un travail formidable en construisant la loi de la valeur et en construisant des schémas globaux qui reflètent la situation dans un capitalisme auto-centré. Donc Marx avait fait abstraction des relations extérieures, même de la Grande-Bretagne, qui était déjà à l'époque une grande puissance impérialiste. Donc Samir a dit non, il faut intégrer. Il n'y a pas d'accumulation dans les pays capitalistes développés sans leurs relations avec le Sud, avec les régions extérieures. Et donc, à la part de ça, il sort le schéma qui devrait compléter ou un peu faire oublier celui de Marx, qui est l'accumulation à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que si vous prenez, il ne faut pas prendre le capitalisme comme quelque chose, dans les pays développés en tout cas, comme quelque chose qui s'appuie fondamentalement sur les forces internes. Non. Il ne peut pas fonctionner s'il n'a pas, comme disait rappelé Salif, la dimension impérialiste, elle est dedans. La pensée large soit travestie dans l'interprétation, mais qu'on s'accorde quand même sur le fond. Et je vais opérer un glissement avec Demba Moussa Dembélé. Est-ce que quand même, pour autant qu'on soit dans la prospective, on n'a pas quelques pas en retard, dans la mesure où finalement, l'impression globale, c'est que les réflexions sont menées ailleurs. Les réflexions ne sont pas les nôtres. Les logiciels qu'on utilise pour le développement aussi bien de l'Afrique et du monde en général ne sont pas les nôtres. On a opéré le glissement aujourd'hui de quitter les notions de pays émergents. On est devenu un marché émergent. Mais pour qui? Est-ce que ce marché émergent-là, c'est pour nous ou peut-être pour ceux qui aspirent à exploiter notre marché émergent? Et ces concepts ont fini aujourd'hui d'être sur la place publique, tout comme à l'époque, les notions de pays en développement, pays sous-développés, ont été inventées ailleurs et appliquées à nous. Est-ce que finalement, on a nos propres concepts à créer aussi et à faire valoir?
Et c'est là où Samir Amin, également, a fait preuve de leadership. Parce que Samir dit, nous devons réfléchir par nous-mêmes. Tout à l'heure, Chérif a parlé de la critique de l'eurocentrisme. Il a écrit un livre sur l'eurocentrisme. Samir a dit que l'eurocentrisme, cette vision de l'histoire à partir de l'Europe, il faut la déconstruire. Non seulement sur le plan économique, mais sur le plan philosophique également. Et donc, Samir, toute sa vie, comme chez Hanté Diop, qu'on a à peu près célébré ses anniversaires presque en même temps, c'était de relever le défi de l'eurocentrisme, de dire que nous inscrivons pas dans la vision eurocentrique du monde, tant pour l'histoire que pour l'économie, pour la philosophie et autres. Et c'est ça, je crois, l'audace de Samir Amin sur le plan économique. Et l'audace de Cheikh Hanté Diop sur le plan historique, pour ainsi dire. Et donc, réfléchir par nous-mêmes, cela veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces théories qui nous viennent de l'extérieur, il faut les mettre de côté. Certes, peut-être, comme on dit, prendre peut-être ce qui pourrait nous être utile, mais d'abord compter sur notre propre réflexion, compter sur ses propres forces. C'est à la fois sur le plan théorique, mais également sur le plan économique. Et c'est là où la question du financement du développement entre en ligne de compte. D'abord, élaborer nos propres plans, au lieu que ce soit le FMI, la Banque mondiale et les autres qui viennent nous dire voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous ne devez pas faire. Mais avoir la capacité, le courage et la force de dire nous sommes en mesure d'élaborer nos propres plan de développement à partir de notre propre réflexion. Et ensuite, nous dire nous sommes capables de mobiliser les ressources à l'interne parce que nous en avons, avec tout ce qui sort de l'Afrique chaque année, des milliards, des dizaines de milliards, que tout le monde constate. Et comment se fait-il que tous ces milliards sortent et qu'on dise que l'Afrique est plus pauvre et qu'on aide l'Afrique, alors que c'est l'Afrique qui aide les autres. Et donc Samir dit, l'Afrique et le Sud doivent penser par eux-mêmes. Penser par eux-mêmes, relever le défi de l'eurocentrisme. L'histoire ne se construit pas à partir de ce que l'Europe pense. Le modèle européen du capitalisme, ce n'est pas un modèle universel, mais nous avons besoin de construire notre propre modèle à partir de nos réalités, à partir de notre histoire propre. Et c'est ça la force de Samir Amin. Et donc, malheureusement, Samir Amin l'a dit, et toute sa vie, plus de 50 ans, tous les livres, 50 et quelques livres qu'il a écrits, les institutions qu'il a créées, le Connaisseria, le Forum du Tiers-Monde, ENDA Tiers-Monde et d'autres encore. Toutes ces institutions s'inscrivent dans cette logique. Réfléchir, essayer de réfléchir par nous-mêmes et de proposer des solutions à nos problèmes. Mais l'Afrique a deux handicaps majeurs. Le problème de leadership en Afrique. Nous n'avons pas de leadership. Et c'est pourquoi les gens répètent ce que les autres disent, on consomme. Aujourd'hui, vous avez parlé de problèmes d'émergence. Mais ça vient d'où? Est-ce qu'on peut émerger en utilisant le franc CFA, par exemple? Est-ce qu'on peut émerger en écoutant les conseils de la Banque mondiale et des FMI, alors que dans les années 80, les programmes d'ajustement structurel ont détruit l'Afrique? Et tout le monde le constate aujourd'hui. Même ces institutions reconnaissent que leurs programmes n'ont pas marché. Et pourtant, ceux qui disent qu'ils veulent émerger, ils écoutent encore, ils veulent écouter les conseils de ces institutions. Il y en a même qui veulent avoir de bons classements dans le Doing Business. Mais comment voulez-vous émerger en recourant aux conseils des institutions qui ont détruit l'Afrique dans les années 80 et 90? Ce n'est pas possible. Et voilà où se trouve la force de Samir Amin. Samir Amin dit, aussi longtemps que nous écouterons ces institutions,
aussi longtemps que nous accepterons des concepts, des idées, des plans, des modèles venus d'ailleurs, nous ne pourrons jamais nous en sortir. Et d'où la nécessité de la déconnexion, pas seulement sur le plan économique, mais également sur le plan théorique et sur le plan politique. Chérif, je vais vous ajouter une question presque philosophique. Cette déconnexion, dans d'autres sociétés, on l'a essayé, même dans une société occidentale, on a eu Podemos en Espagne, Tsipras en Grèce, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que finalement, ce n'est pas ça aussi les limites de cette perspective de déconnexion pour mettre par terre ce qui est là et passer à autre chose? Ça n'a pas fonctionné ailleurs. Mais à part cette pression... Je n'en connais pas de modèle en Afrique, c'est pourquoi j'en ai pas cité d'ailleurs. Ce n'est pas parce que quelque chose n'existe pas, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, qu'on ne peut pas y penser et y réfléchir. La Grèce, dans une large mesure, sur certains aspects de son développement, est tout à fait déconnectée. Elle décide par elle-même et par ses parlements. Nous connaissons les déviations. Quand vous n'êtes plus liquide, évidemment, vous êtes soumis à des institutions qui vous mettent la pression. Je crois que ça, il faut l'admettre. Ce que je voulais dire, c'est qu'en disant mobilisation des ressources, je veux répondre sur l'aspect, ce que signifie vraiment l'émergence. Quand je dis mobilisation des ressources internes, encore une fois, ce n'est pas ne pas emprunter à l'extérieur. Ce n'est pas non plus dire que tout est mauvais dans ce qui se fait. C'est simplement sortir d'une idée qu'il faut formater l'économie nationale. Je dis formater, ils disent réforme structurelle. Nous le saisissons l'expression et nous lui donnons sa véritable signification, c'est-à-dire une mise en niveau du territoire pour la promotion des exportations et en s'adossant sur le doing business. Osons le dire. Le plan Sénégal émergent dit rompre dans les phases qui suivent dans cet aspect. Nous sommes prêts, nous le soutenons. Mais ce qu'il y a de positif, il faut le dire, c'est qu'en termes de mobilisation simple des ressources, si on prend le budget, quand même un pays comme le Sénégal et d'autres sont à 54% de ressources nationales, de ressources propres. C'est une bonne chose. Mais le développement, ce n'est pas simplement mobiliser le budget. C'est orienter la mobilisation des ressources internes vers le secteur productif. Il faut qu'on s'entende. Donc, pour simplement résumer, l'émergence, qui est en réalité une stratégie de développement, est une stratégie de valorisation des exportations et à ce moment, la mise à niveau du territoire obéit des principes du doing business. C'est-à-dire que dans une large mesure, l'Est ne regarde pas le marché intérieur. Et la force d'une politique de développement viable, c'est d'être orienté vers le marché intérieur. Ça, c'est ça. Donc, il y a des aspects positifs et des avancées pour certains gouvernements, mais fondamentalement, structurer le secteur productif et avoir ses propres champions, comme le dit le plan Sénégal émergent, sur ce plan, des efforts restent à faire. Mais maintenant que ceci ne marche pas, mais le plus grand échec de l'histoire de l'humanité, c'est l'échec du capitalisme lui-même. Il y a 250 ans, c'est un système qui avait eu pour vocation de soumettre toutes les économies au capitalisme, c'est-à-dire que dans chaque société, être le mode de production dominant. Mais à part les premiers foyers industrialisés, personne ne peut compter, personne ne peut donner deux pays qui sont devenus industrialisés. Ça, on n'y réfléchit pas assez. Depuis cette annonce, quels sont les nouveaux pays réellement industrialisés? Il n'y en a pas. Le modèle coréen, c'est de la missification. Il est tombé à terre, il n'existe pas. Il n'y a qu'un pays qui fait des efforts, en tout cas, qu'on peut véritablement considérer comme émergent au sens où nous lui donnons. C'est-à-dire préoccupé par le changement des mentalités, la création de richesses sur la durée, la prise en compte de l'environnement et des générations futures, c'est la Chine, il faut l'admettre. Donc, ce n'est pas important qu'on ne soit pas encore aujourd'hui à une stratégie telle que j'ai définie. Nous procédons par paliers, mais en tout cas, pour répondre pour nous, ce qui nous concerne, j'aime bien la question posée comme ça ou sous-entendue comme ça. Qu'est-ce que nous faisons qui puisse être concrètement mis en œuvre? D'abord, nous ne sommes pas aux affaires, donc nous nous contentons d'avoir un regard, une production théorique, des démarches qui soient suggérées par notre économie dans son fonctionnement réel. Et comme le dit Stiglitz, qui a toujours été contre nous, qui dans cette partie de sa vie ne fait que reprendre ce que nous disons.
Il dit qu'il faut cesser dans ce monde, après avoir fabriqué une pilule, considérer que la pilule doit être absorbée par tous les pays du monde. Je crois que c'est ça. Il y a des avancées, nous faisons des critiques et j'aime bien qu'on nous interpelle sur ce que nous avons fait, comment nous le faisons, mais c'est concret. La réflexion avance, la Banque mondiale, s'il tient le système capitaliste, je veux dire, s'il tient, c'est dans sa capacité par moment, surtout moment de crise, d'absorber ce que les progressistes disent, d'en intégrer certains, et c'est ça, sa survie tient à cela. Je peux témoigner, il faut bien le dire, qu'au cours de ces 3 jours de symposium, les réflexions étaient partagées et des réflexions très enthousiastes. Mais Chérif, la question philosophique, autre question philosophique, la place de ces intellectuels dans le mode de gouvernance publique, est-ce que finalement il faut investir les lieux de décision ou rester dans l'entre-soi des réflexions? Comment partager? J'imagine ce symposium, les réflexions seront publiées, partagées, mais comment faire pour que les décideurs puissent en faire bon usage? Non, c'est-à-dire qu'il ne faut pas sur tous les médiums, j'ai dit médium, le gouvernement c'est un médium, le parlement est un médium, l'université est un médium, faire la politique de la chaise vide partout. Hein, il faut aller accepter de s'asseoir avec ces gens, mais surtout mettre l'accent non pas sur les aspects théoriques, mais sur des questions techniques qu'on apprend au sein des États, des institutions des États, des organismes des États qui peuvent servir à la formulation d'alternatives. Et c'est ça qui est un défi majeur. Vous ne pouvez pas rester dans ce qu'on a. Je ne l'appelle même pas la théorie, parce que pour moi, la théorie, ce n'est rien d'autre que l'explication de la réalité. Mais disons, dans la palabre, dans le discours vide. Mais quand vous êtes un progressiste, votre pays vous appelle, quel que soit le type de gouvernement, mais il faut y aller. Il y a énormément à apprendre. Je reste toujours sur l'aspect technique. Énormément à apprendre qui peuvent être utiles. Sinon, une fois aux affaires, vous ferez pas 3 mois. Ça, c'est très clair. Donc, c'est ça que, à partir de là, que j'ai développé le concept de insider. Il faut que les gens, et ça existe toujours dans le Sénégal, je ne vais pas donner de nom. C'est le secteur, même la presse est alimentée par de véritables patriotes à l'intérieur du système et des administrations. Sinon, le pays ne serait pas en train de bouger. Je crois que c'est ça. C'est ça. Quelqu'un disait que depuis 60 ans, on n'a pas été capable en Afrique, les États n'ont pas été capables de forger une opinion publique africaine. Je vais le citer quand même parce que c'est mon beau-père, si je ne le fais pas, il reprend sa fille, mais c'est pour la pensée que je le cite, Makhili Gassama. Voilà, c'est dit, donc je reste avec celle qui m'a donné alors. Voilà. Mais alors, de n'avoir pas été capable de forger une opinion publique africaine, et il disait... Les réseaux sociaux sont en train de réussir ce que les États n'ont pas réussi, c'est-à-dire d'aider à forger une opinion publique africaine. Aujourd'hui, la réforme du franc CFA est presque irréversible, si l'on en croit en tout cas ce que les chefs d'État ont décidé. Mais est-ce qu'on a pris en compte les aspirations des Africains dans cette monnaie communautaire qu'on veut mettre en place? Chérif Salif Sy, Demba Moussa Dembélé avait introduit le débat en disant qu'on ne peut pas faire avec ce qu'on a aujourd'hui, mais à la place, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est satisfaisant ce qu'on a introduit dans les perspectives avec l'écho tel que présenté dans cette fameuse conférence de presse au Palais d'Abidjan? Alors, nous avons réagi par rapport à ce qu'Alassane Ouattara et Emmanuel Macron ont dit. Vous savez, le 29 juin 2019, les 15 chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont adopté la résolution de lancer l'écho en 2020, mais pour les 15 pays membres. C'était le 29 juin. 10 jours après, le 9 juillet, Alassane Ouattara est allé à Paris voir Emmanuel Macron. Et là-bas, quand il est sorti sur le perron de l'Élysée, il avait déclaré ce qui a été finalement annoncé le 21 décembre. Le 9 juillet déjà, il l'avait annoncé que les pays, le CFA deviendra écho et que eux, les 8 pays, vont aller et les autres vont les suivre. Et c'est ce qui a été dit finalement le 21 décembre à Paris. Or, cela
ne cadre pas avec la décision du 29 juin. Et d'ailleurs, vous avez vu les réactions des pays, les sept autres pays, avec à leur tête le Nigeria. Et cette semaine encore, le Nigeria a demandé le report de la mise en œuvre de l'ECO, parce que tout simplement, la plupart des pays les critères de convergence dont on parle, la plupart des pays ne satisfont pas ces critères de convergence. Mais il a raison. Parce que si on prend le critère, par exemple, le plus contraignant, à savoir le déficit budgétaire par rapport au produit intérieur brut, ils disent 3%, un peu comme en Europe, on se demande pourquoi. Mais aucun des pays, ils disent peut-être sauf le Togo, et encore. Mais le Sénégal, non. La Côte d'Ivoire, non. Et donc, sur quelle base Alassane Ouattara prend-il la décision de lancer les 8 pays dans cette aventure en laissant de côté les autres? Pour nous, en tout cas pour ce qui me concerne personnellement, c'est une façon... J'ai entendu les chefs d'État mettre en avant le taux d'endettement comme premier critère de convergence pour dire que nos États ne sont pas endettés, donc on est sur le même niveau. Oui. Ça peut s'entendre ou pas? Le taux d'endettement. Vous savez, les critères sont plusieurs. Hein. Le taux d'endettement, chacun peut dire je me suis endetté à tel niveau. Mais le problème de la dette, c'est dommage, peut-être le temps ne le permet pas. Aujourd'hui, tout le monde dit on attire l'attention sur la dette. Mais le vrai problème de la dette, c'est que de plus en plus, les pays s'endettent auprès des marchés financiers, que ce soit au niveau de la sous-région ou ailleurs. Le capitalisme. Les eurobonds. On est voilà. En plein dans le capitalisme. Et ça, c'est dangereux. Et c'est dangereux parce qu'avec le secteur privé, il n'y a pas possibilité de rééchelonnement et encore moins d'annulation de la dette. Vous payez, sinon vous êtes dans une situation critique. Alors que pour une dette publique, il y a possibilité de renégocier et même d'effacer la dette, comme on le dit. Mais c'est pour revenir à cette histoire entre l'ECO et le franc CFA. Nous sommes dans une confusion totale. Personne ne sait aujourd'hui qu'est-ce qui va arriver. Est-ce que Alassane Ouattara va aller dans le sens de ce qui a été annoncé le 21 décembre ou est-ce que, après la réunion entre les chefs d'État, ils vont revenir en arrière et essayer de cheminer ensemble? Toute la question est là, mais c'est la confusion totale, c'est l'incertitude d'aujourd'hui. Oui, mais vous avez un avis là-dessus, sur laquelle des moi, options vous non, non, qui moi, réfléchissez moi, j'ai toujours soutenu. Et qui avait poussé surtout à sortir du français. Exactement. C'était déjà un préalable pour vous. Oui, non, mais moi, j'ai toujours soutenu l'option de la CEDEAO, la monnaie unique pour les 15 pays membres. Pourquoi? La première vertu de cette sortie, c'est de mettre fin à ce que nous appelons la servitude monétaire entre la France et les anciennes colonies françaises, comme le Sénégal. Parce qu'à partir du moment où le franc CFA et les autres monnaies les sept autres monnaies de la CEDEAO disparaissent au profit de l'ECO, à ce moment, les liens avec la France changent complètement. À partir du moment où la France, il n'y a plus franc CFA et avec les quatre piliers que constitue, par exemple, surtout l'un des piliers, la libre transférabilité des capitaux. Et c'est ça qui saigne nos économies. Parce qu'à partir du moment où, à partir de l'Afrique, on peut transférer tout ce qu'on veut vers la France, et à partir de la France, vers les paradis fiscaux, et c'est ça qui alimente la fuite des capitaux et les capitaux illicites dont on parle dans le rapport de Thabo Mbeki et qui saigne l'Afrique de l'Ouest aussi. Et par conséquent, si on arrive à l'écho pour les 15 pays membres, pour nous, ça coupe le cordon ombilical avec la France et ça permet à nos pays de reprendre la souveraineté, en tout cas d'avoir cette souveraineté sur le politique économique et surtout de pouvoir accélérer le processus d'intégration au sein de la CEDEAO. Bernard Founou, sur cette question
du passage du franc CFA à l'ECO. Est-ce que finalement, on ne devrait pas, vous y avez écrit ce livre fondateur que je citais tout à l'heure, sur l'agriculture du Sénégal que vous aviez étudié pendant très très longtemps, cette économie travestie alors qu'on pouvait quand même commencer par développer ce qu'on produit chez nous. Est-ce que finalement, c'est un débat qui a un enjeu véritable? Oui, c'est ça, ça a un enjeu véritable, et même très très sérieux. Mais je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, hein, vis-à-vis de la conception de Samir sur la déconnexion et des choses comme ça. C'est-à-dire, le critère, c'est d'abord de savoir, au-delà, par exemple, des questions monétaires, qu'est-ce que tu veux faire? Quel est le type de développement économique que tu veux réaliser? Quel est le type de société que tu veux construire? Et à un moment donné, tu vas rencontrer les problèmes monétaires dans l'élaboration. Et donc, c'est-à-dire les relations monétaires, si on prend le système global, hein, et pas simplement le CFA, le système global actuel dans lequel nous sommes, qui est commandé par que ce soit le Nigeria ou que ce soit le Sénégal ou que ce soit même des pays qui ne sont pas membres d'aucune zone monétaire. Nous sommes tous pris dans un système dont, effectivement... Mais Bernard, cette question, est-ce que, excusez-moi de vous couper, est-ce que ce n'est pas la meilleure façon finalement de ne même pas répondre à la question? Parce qu'on a tous chacun un modèle société que nous voulons pour chacun d'entre nous. Oui, on ne sera jamais d'accord sur... Non. Si. C'est-à-dire qu'un modèle, c'est-à-dire un projet qu'on veut faire et qui est un projet, parce que nous mettons la tête de Samir, si vous avez ce qu'il entend par projet national et populaire, c'est un projet qui, dans le long terme, va faire sortir le pays de la périphérisation. C'est-à-dire l'objectif à long terme, qui peut prendre du temps. Mais c'est que la trajectoire doit vous conduire à sortir de la périphérisation. Et en particulier, ça veut dire qu'au bout, vous aurez, si on prend les pays développés aujourd'hui, vous aurez une économie, n'est-ce pas, qu'on appelle déjà, n'est-ce pas, au départ, techno-scientifique, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vraiment, même tous les appareils de recherche et de tout ça sont en fait mis au service. Vous ne pouvez obtenir de financement, même pour la recherche fondamentale, que si on voit les aspects que ça va avoir, n'est-ce pas, sur la connexion avec la technologie qui pourrait en sortir. Et pourquoi cette technologie est truc? Parce que un développement autocentré, il comporte une dimension de sécurité très importante. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez la capacité interne. S'il y a des forces extérieures qui veulent vous déstabiliser, hein, et qui veulent vous dévier du modèle que vous avez choisi, que le modèle puisse résister. Alors, pour qu'il résiste, et dans le monde aujourd'hui, il faut qu'entre autres, elle soit capable de, je ne dis pas de trucs, je ne sais pas, c'est-à-dire au niveau de la structure, de son économie, de la manière dont l'industrie est, par exemple, intégrée avec l'agriculture ou bien intégrée avec le secteur financier, qu'elle soit capable de s'intégrer pour résister, n'est-ce pas, aux forces extérieures. Alors là, donc je dis aujourd'hui, le système monétaire global, il ne fonctionne pas du tout en faveur de ça, que vous soyez marocain ou que vous soyez sénégalais. Donc maintenant, mais, à l'intérieur, franchement, il y a des marges de manœuvre différents. C'est-à-dire la marge de manœuvre dont dispose le Maroc est une marge de manœuvre plus grande que celle du Sénégal.
Donc là, donc l'idée de ne pas d'avoir cette zone comprenant la CEDEAO qui viendrait vraiment, n'est-ce pas, soutenir ce que la CEDEAO ou des pays à l'intérieur voudraient réaliser, c'est tout à fait souhaitable. Et on ne voit même pas, c'est-à-dire, c'est, à côté de ça, enfin, ce dont Moussa vient de parler là, les Macron, les autres comme ça, mais ils sont juste en train de se jouer un peu de nous. Ils ne cherchent pas à ce qu'aucun problème soit réglé. Mais est-ce que ce n'est pas finalement une question à tous les trois, et le temps nous presse malheureusement, ce n'est pas nos systèmes de gouvernance qui sont en cause, parce que c'est des questions qui ne sont jamais renvoyées au peuple pour trancher véritablement quand même. C'est des questions importantes qu'on pouvait... où ça peut rester dans l'entre-soi des à la vérité, dans la majorité des pays africains, la lettre de mission, disons, la feuille de route qui gouverne, c'est celle des institutions économiques et financières internationales. Il faut le faire. Et pourquoi que, lorsqu'il existe des marges de manœuvre, des gouvernements courageux s'y engouffrent, et il faut saluer ça comme une bonne chose. Mais je vais simplement terminer sur un quiproquo qui existe. L'opinion publique, personne ne la crée. Il faut qu'on le comprenne. Le développement d'une opinion publique se fait concomitamment avec le développement d'une société civile que j'appelle la société non politique. Si je reste chez les auteurs francophones qui ont vraiment, qui ont le mieux étudié la question de l'État, c'est Nikos Poulantzas qui a identifié ce type d'État. Et c'est Robert Fossaert qui, lui aussi, dans l'histoire de l'humanité, a identifié 14 types d'États. Et dès lors que l'État existe, il existe immédiatement une société non politique. L'émancipation de cette société non politique dépend de la nature de l'État qui gouverne. Plus il est violent, plus la revendication, plus la société non politique est vigoureuse. Et nous, qu'est-ce qui nous arrive ? L'ajustement structurel. Quels étaient ses objectifs ? C'est déjà la dépolitisation de la société, l'affaiblissement des syndicats, la destruction des solidarités très traditionnelles, le phagocytage des associations d'étudiants, la destruction en somme des objectifs sociaux. Dans la première décennie, la société non politique est apparue comme mou, elle était déstabilisée. Mais à force de s'organiser, comme je le disais tout à l'heure, à utiliser des insiders, étudier les dossiers techniques, etc., et en même temps que la violence des institutions économiques et financières s'exerçant, mais vous voyez comment elle s'émancipe, comment elle prend les dossiers. Aujourd'hui, ce ne sont pas les partis politiques traditionnels qui travaillent sur les dossiers, sur la gestion, la gouvernance des ressources minières, mais ce sont les associations avec nos amis partis par là, des rencontres en Saracolé, des rencontres en Wolof. La société est tellement imprégnée de son dossier, de ces dossiers qui sont déterminants pour l'avenir de notre nation, et elle l'est d'autant plus que les institutions internationales sont violentes à l'égard de nos... Cette précision me semble, mais on ne fabrique pas une opinion publique comme ça en l'air. Messieurs, je nous souhaite une très longue vie. J'aimerais qu'on puisse se retrouver dans 30 ans. Alors, est-ce qu'on ne risque pas, en ce moment-là, de faire le même constat que sur Cheikh Anta Diop, qui a quand même théorisé depuis plus de 50 ans maintenant qu'on ne pouvait pas faire un développement sans l'imprégnation de nos langues nationales, sans faire l'éducation à travers nos langues locales, nos langues nationales. On en est encore là 50 ans après, toujours pas assimilé. Sur la pensée de Samir, on ne risque pas dans 30 ans de dire « pourtant il avait raison, mais qu'on ne l'a jamais fait ». Non, heureusement, comme je vous connais, Abdoulaye, je sais qu'il y aura d'autres émissions sur ça, comme vous avez dit, le temps nous... Mais la question de la langue est fondamentale. On ne la prend pas en charge. Elle est en train d'être détruite progressivement et de l'intérieur. Aller dans chaque... Comment pouvez-vous comprendre qu'on crée un environnement Google en Wolof, mais qui a été consulté? Si on sait que telle radio a son Wolof, l'autre radio a une autre nuance du Wolof, telle chaîne de télévision a son Wolof, un pays responsable doit, dès le départ, mettre en place au sein d'une académie des sections lexicales. Sans section lexicale qui décide que telle... Parce que on ne prend pas les mots qu'on a connus ou anciens, le monde se développe. Et, par exemple, le filaire, comment le dire en Wolof ?
Il faut qu'il y ait un consensus sur le consensus. Et la force de ce consensus, c'est de créer des concepts. On se développe en construisant des concepts. Le concept, il y a des procédures que nous connaissons. Apprendre si ça existe. Par exemple, je n'ai pas le mot filaire en Wolof, je cherche, c'est le CRR, là. C'est comme ça qu'on emprunte. Aussi, si en faisant le tour des peuples autour, on ne l'a pas, on crée le concept. Le restaurant, ce n'est pas quelque chose qui a toujours existé chez les Français. Il était inconnu. Les Anglais n'ont pas perdu de temps pour aller chercher à le créer. Ils l'ont simplement emprunté aux Français. Le shopping, les Français l'utilisent parce que simplement, ils n'avaient pas le mot, le concept. Mais la question de la langue, c'est le lieu principal de dépossession des peuples. C'est mon avis. Et d'ailleurs, le français s'enrichit de notre vocabulaire, des mots wolof sont dans la Demba Moussa Dembélé, très rapidement, parce qu'on est oui. À la fin. Mais j'espère que d'ici 30 ans, l'Afrique aura énormément changé. Vous savez, Cheikh Anta Diop, Samir Amine, c'est des penseurs. Des fois, ils étaient en avance sur leur temps. Des penseurs, il faut que les politiques prennent le relais. Et ça se passe partout dans le monde. Oui. Vous allez aux États-Unis, vous allez en Europe, il y a des penseurs, il y a des politiques. Et malheureusement, comme je disais, nous avons un problème de leadership. Mais je pense qu'avec la nouvelle génération, il y aura un nouveau type de leadership. Il y aura de nouveaux Sankara, de nouveaux Kwame Nkrumah, de nouveaux Amilcar Cabral qui viendront à la tête de l'État et qui mettront en œuvre certaines de ces idées avec d'autres idées pour la souveraineté de l'Afrique, pour son développement auto-centré tel que l'a souhaité Samir Amine. Et surtout pour pouvoir maîtriser son destin, à savoir mobiliser des ressources à l'interne et prendre sa place dans la communauté mondiale en tant que continent souverain, respecté. Bernard, on peut rester optimiste? Oui, ben on peut rester optimiste. Mais le point sur lequel je voudrais qu'il y ait quelque chose, qu'on continue, au niveau d'abord des débats intellectuels. Et c'est sur ce problème de la critique de l'eurocentrisme, sur lequel on retrouve Samir et Cheikh Anta Diop. Les deux, n'est-ce pas, sont dans la mouvance de la critique de l'eurocentrisme, très clair. Mais ce que Samir, si j'ose dire, peut-être bon, il était moins âgé que certainement que Cheikh Anta, mais je dirais que peut-être que ce qu'on peut considérer comme ce que Samir a porté un peu plus loin, cette critique de l'eurocentrisme, c'est que ce que Samir reproche fondamentalement aux eurocentristes, c'est de prendre ce qui est l'histoire de l'humanité entière, comme si c'était l'Europe qui avait produit tout ça. Or, la participation de beaucoup de personnes, pour ne prendre qu'un exemple, les Européens, avec les Lumières et tout ça, ils sont arrivés à formuler ce qu'ils ont appelé la modernité. C'est-à-dire vraiment qui au moins au niveau de l'humanité. Et cette modernité, pour les marxistes, n'est-ce pas, elle se traduit par le fait que ce sont les hommes qui font leur histoire. Bon, ce qui ferait un peu de nuance entre Samir et Cheikh Anta, c'est que lorsque Cheikh Anta étudie l'Égypte et les relations avec la Grèce, Cheikh Anta met en évidence le fait que ce qui s'est accompli en Grèce devait beaucoup à l'Égypte. Là, si vous avez, Samir dit oui, ben, on est d'accord sur ça. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que ce qui a été exprimé en Grèce, une part de ce que les Grecs ont fait, n'est-ce pas, venait de ce que les Africains ont fait. Et si les Européens ont décrété que non, ce lien-là n'existe pas, n'est-ce pas, pour eux, leur ancêtre au niveau intellectuel et tout, c'est seulement la Grèce. Mais nous, donc l'idée dans ce plus, c'est que non, la contribution
à la modernité. C'est-à-dire la contribution des Africains ne s'est pas arrêtée, ça ne s'est pas arrêté à l'Égypte. La contribution, tout ce que c'est, et ça a continué. Donc, ce que les Européens, en fait, finalement, c'est un cercle. Je voudrais conclure par là. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que l'attitude que nous avons vis-à-vis de ce qui est arrivé en Europe au niveau des... À partir du moment où on considère que ce n'est pas le produit de l'Europe seule, à ce moment-là, ça veut dire que ce que nous pouvons, nous, prendre de ça, c'est en partie de nous-mêmes. Et c'est très important pour qu'on ne puisse pas entrer dans des trucs, parce qu'il n'y a pas eu, il n'y a rien eu de très important dans l'histoire de l'humanité qui ne procède, n'est-ce pas, des échanges. Le problème, c'est dans l'échange inégal. Si l'échange est inégal, il y en a qui perd et l'autre qui gagne. Mais si on se met dans la dynamique de refuser d'être victime de l'échange inégal, moi, je vais prendre, si ce sont les Européens, s'ils disent que ce sont eux qui ont inventé le truc numérique, ben alors, oui, mais c'est, peut-être que c'est là-bas. Mais il n'empêche que, n'est-ce pas, ils ne seraient pas arrivés à ça. S'ils n'avaient pas pris ce qu'il y avait en Égypte, s'il y a tout ceci. Donc, c'est pas du tout, il faut être, vraiment avoir très proactif là-dedans. Bernard Fenou, merci. Vous me permettrez d'ailleurs, pour votre propos de fin, de citer cet immense auteur, Sylvia Serbin, qui a aussi entrepris de réhabiliter les héroïnes africaines, puisque son ouvrage partait d'un constat qu'il n'y avait presque pas d'héroïnes africaines appartenant à l'histoire de l'universel telle que décrit par les Occidentaux. Et ça va de la Donna Béatrice, de la Vénus Hottentote, des femmes de Nder et autres, alors qu'on nous enseigne partout la Jeanne d'Arc. Absolument. Dans certains pays du général Absolument. De Gaulle. Voilà, j'aimerais finir sur ce mot et faire un viva aussi à cette immense auteure Sylvia Serbin qui parcourt les quatre coins du monde, notamment l'Afrique, pour réhabiliter ces héroïnes africaines, c'est aussi important. J'ai été très heureux de passer la parole, d'être un passeur de parole dans cette émission. J'espère qu'on aura d'autres tribunes pour poursuivre la réflexion. Nous sortons d'un symposium hommage à Samir Amin et je ne trahis pas de secret. Le président du comité d'organisation a promis que ce symposium se tiendra tous les 2 ans. Nous serons là pour le lui rappeler. Nous prenons rendez-vous pour, dans 2 ans. Un bon insider, je ne doute pas qu'il aura les moyens de réunir encore le Gotha de la pensée africaine pour reparler encore de Samine et de Samir Amin. Pardonnez la familiarité, bien entendu. Merci beaucoup. J'ai fini pour vous montrer. Alors, il est en noir et blanc sur mon affiche, mais vous le voyez derrière moi sur l'écran, cet ouvrage coordonné par cette plateforme qui nous accueille aujourd'hui, CNE+. Enjeu 2019-2024, Sénégal réflexion sur les défis d'une émergence, un ouvrage inspiré de l'élection présidentielle du 24 février 2019 qui a consacré la victoire du président Macky Sall pour son second mandat, son second quinquennat. Énormément d'éditorialistes ont contribué à cet ouvrage, je n'en citerai que quelques-uns, Boubacar Boris Diop, Abdoulaye Liman Kahn, Demba Moussa Dembélé ici présent, et bien d'autres bien entendu. La liste n'est pas du tout exhaustive, mais comme on le dit en Wolof, Koulim Dioum, shérif traduira par Bernard Founou, oui, Sénégalais et des Camerounais, de toute façon il comprend. Merci en tout cas de nous avoir suivis, on était très heureux d'être avec vous et de poursuivre ce débat avec nos éminents intellectuels et penseurs. Merci et on se donne rendez-vous très très prochainement sur notre plateforme CNE+, sans détour. Un immense merci à Sup Info, Sup IMAX et à toute l'équipe technique qui a permis la réalisation de cette émission. À très bientôt.